En ta présence je me tiens, je me prosterne devant toi. Reprends mon âme devant ta face, Seigneur. Oh, mon âme crie à toi, réponds à ma requête. Je veux te contempler dans ta grandeur. Dans ta présence je me tiens, je me prosterne devant toi. Je réponds mon âme devant ta face, Seigneur. Oh, mon âme crie à toi, réponds à ma requête. Je veux te contempler dans ta grandeur. Laisse-moi m'approcher de toi, laisse-moi te glorifier. Laisse-moi entrer dans cette atmosphère et toucher le bord de ton vêtement. Laisse-moi m'approcher de toi, laisse-moi te glorifier. Laisse-moi entrer dans cette atmosphère et toucher le bord de ton vêtement. Et toucher le bord de ton vêtement. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 126, psaume chapitre 126, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Invoque-moi du sein de la détresse, son bras puissant me sauvera. C'est Dieu qui parle, on croit sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle, on croit en sa promesse, et toute ta voix l'exaltera. Si tout est sombre, on ne perd pas courage, ne doute pas du Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Oh, mais n'attends pas, que le mal te domine. Divine, saisis la dent et
Notre Père et notre Dieu, c'est vraiment de la reconnaissance que nous avons à ton endroit, en venant en ces lieux, en chantant ces gens de Sion, Père Saint-Dieu, en nous souvenant, Saint d'Israël, de ce que toi tu as fait, ce que tu es pour nous, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Aujourd'hui, si nous pouvons être là et chanter ces chants de Sion, Père Saint-Dieu, et avoir la grâce et la joie d'avoir ton peuple aussi autour, par rassembler en ces lieux, bien-aimé, Père Saint-Dieu, mais c'est parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux pour avoir le souffle de vie aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui, ce matin, ont été pensés qu'ils pouvaient avoir aussi ces jours, mais n'ont pas pu le voir. Mais à toi, tu nous as accordé ce privilège d'y être encore aujourd'hui, afin que nous puissions vraiment, Père Tout-Puissant, saisir l'occasion pour pouvoir réellement aussi positionner nos vies concernant ta parole à toi, parce que tu ne veux qu'aucun ne périsse. C'est ce que tu nous as accordé aussi, ce privilège de pouvoir nous tenir encore aujourd'hui. Nous avons chanté pour ta gloire. Seigneur, tu as entendu ce que tu as fait pour nous, par nous, Père Saint-Dieu, en déversant des dons comme ça, Père, que nous pouvons entendre par travers nos enfants, Père Saint-Dieu, nos frères et sœurs et les témoignages que nous avons pu entendre, Père, de tes merveilles, Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'un cœur ne peut pas t'aimer, Seigneur? Comment est-ce qu'un cœur peut être endurci à un point tel qu'il ne puisse pas croire en toi, Père. Tu nous as donné cette grâce. Des témoignages qui touchent nos cœurs, mon Père. Nous te remercions vraiment, Père Dieu, pour les cantiques qui ont été chantés, Père Saint-Dieu, pour tout ce que tu as fait ce matin, Seigneur, que tu vas encore continuer à pouvoir faire. Je te prie encore pour ce peuple qui est venu de loin comme de près, Seigneur, de lui encore la force. Ils sont venus depuis le matin, nous sommes là presque midi. Oh Dieu, que la fatigue ne s'installe pas, Père, mais que tu donnes encore la force encore davantage, parce que nous voulons vraiment que tu prennes possession de chacun de nous. Oh Dieu, que toi, tu puisses être le maître. C'est pour ça que nous sommes venus, Père, pour que réellement que tu te saisisses de chacun de nous, que nous puissions te donner ce que nous avons, Seigneur. Parce que nous voulons que cette vie qui est là, Père Tout-Puissant, soit la vie que toi, tu nous as donnée, pour qu'elle puisse vraiment te plaire en toutes choses, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Travaille-nous, Père, et soutiens-nous. Merci encore pour, oh Dieu, la joie, l'allégresse que tu as placée encore dans nos cœurs, en voyant combien tu as agi aussi pour nos frères et sœurs. Merci aussi, Père, parce que, oh, tu es celui qui guérit toutes nos maladies. Nous en avons l'assurance et la certitude, mon roi. C'est pour ça que nous avons aussi la foi, Seigneur. Et les requêtes ont déjà été déposées devant toi. On a prié, Père Saint, pour cela, Père. Nous avons certainement l'assurance et la foi, car il manque, tu as exaucé cela, Père. Sois donc béni et exalté, Père, pour ces instants que tu nous donnes, mon roi. Je pense aussi à notre soeur Bambino, Père Dieu, avec sa fille, Seigneur, que tu la bénisses, que tu la soutiennes, que tu puisses réellement aussi la fortifier encore, Père Saint. Nous te remercions parce que tu fais toutes choses belles. Et c'est vrai, tu as toujours été là pour pouvoir nous soutenir, Père. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit glorifié, que le Seigneur vous bénisse richement d'être venu ce matin, si nombreux, vous pouvez vous asseoir. C'est toujours bon pour nous que nous puissions nous retrouver et que quand nous pouvons aussi voir aussi nos frères et sœurs qui sont venus encore ce matin des différents endroits. Que Dieu bénisse notre sœur Esther que j'ai eu aussi la joie de voir ce matin et avec aussi ses enfants qui sont donc venus donc de la France. Je pense aussi que notre frère Bruno, je crois qu'il doit être ici aussi. Frère Bruno, serais-tu là? Ah, parce que mes yeux à moi ici. Que Dieu te bénisse et sois le bienvenu. Y a-t-il encore un frère ou une sœur qui soit arrivé, effectivement, que je n'ai peut-être pas encore vu ou entendu, effectivement, mais non, parce que je regarde pas bien là, ça. Y a-t-il un frère ou une sœur qui soit arrivé ces jours-ci, qu'on n'a pas encore pu présenter et voir? Je crois que c'est mon frère. Attendez. Ah oui, oui. Oh oui! Venez, mon bien-aimé frère. Mais c'est pour ça, on va se dire que je... Mais oui. Waouh!
Que le Seigneur vous bénisse. Yes. She speaks English. Came from Uganda. Oh yes, she came from Uganda. Are you speaking? Speak French and English. My precious brother, God bless you richly. Yes. When did you come? She came 1 week ago. Okay, my dear. She'll be here for 2 weeks and then she'll be going. Well. We are so happy. Thank you. God bless you richly. So you come from Uganda, Kampala, or just another city where? Kampala. See, I know Mbarara because I've been in Mbarara too, also because I crossed also in Uganda. God bless you, Rachel, my sister. What is your name, my dear? God bless you, Rachel, my sister. And you, my precious brother. Oh, yeah. God is great. God bless you richly. Let us pray and then thank the Lord for your presence. So, ils sont donc venus de l'Uganda. Ils sont vraiment, c'est merveilleux, hein? Ils sont venus de l'Ouganda, ils sont venus avec donc la sœur, donc for 2 weeks, I think so. Donc c'est pendant 2 semaines, et la sœur aussi va rentrer aussi en Ouganda. Vous le recevez, non? Amen. Alors, si cela est ainsi, on va prier aussi pour eux. Yes, alors, nous allons prier. Our Heavenly Father, most precious Lord and Savior, Jesus Christ. We bow our head before that throne of grace, Lord, to give thanks to thee, Lord. You are so marvelous and so precious to us. We thank you for our precious brother and sisters, all for their presence here in our midst, Lord. Bless them abundantly, Father, and open their hearts also to hear and to open to receive also thy word. Blessing them, hope of God, and provide also for their needs, Lord. We pray that you may keep them, God, thy word also in the cattle, in the garden, also in peace. So that they may also find a way that because you are the one, you are the way, Father, and be with them and also their family. We thank you. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les autres sont en français, vous avez compris un peu. Donc c'est quand même, nous honorons la présence des autres. Que Dieu soit béni. C'est merveilleux. Que Dieu soit béni pour ce qu'il fait pour nous. Nous, nous réjouissons de cette grâce que le Seigneur nous accorde effectivement. De pouvoir nous retrouver pendant tout ce temps de réunion. Nous avons certainement aussi cette assurance dans notre cœur, de la manière dont le Seigneur nous conduit en préparant nos cœurs, que vraiment il va faire de grandes choses dans notre vie. Ce que nous savons aussi, que nous sommes aussi déterminés à pouvoir réellement aussi marcher avec lui, comme lui, il veut effectivement que nous puissions marcher. Parce que là, nous pouvons voir et comprendre aussi que c'est Dieu dont nous avons dans notre cœur le désir de pouvoir marcher avec. Effectivement, il a toujours sa façon de pouvoir faire les choses et procéder aussi dans sa manière de pouvoir agir. Et nous avons aussi compris, si cela était bien compris, que c'est un Dieu qui n'oblige personne, qui n'exige personne en fait, mais il s'est toujours donné librement effectivement aussi à l'homme effectivement, et ça c'est sa nature effectivement aussi, son caractère d'être ainsi, donc depuis donc les débuts, donc c'est-à-dire quand on parle des débuts effectivement, c'est lorsqu'il a eu à déployer, à mettre l'homme effectivement dans les jardins d'Éden. Et déjà, ses intentions de pouvoir amener l'homme à l'existence étaient déjà très bonnes. Et qu'on voyait que, on peut voir qu'il avait des dispositions d'un amour fort pour l'être humain qu'il allait déployer. Donc, il n'y avait rien effectivement que... Il pouvait montrer qu'il avait des dispositions qui étaient en fait comme dans l'armée, de pouvoir, je t'oblige de ceci et de cela. Non, parce que c'est lui-même qui a eu à pouvoir vouloir en fait créer l'homme et le placer effectivement dans le jardin d'Éden. C'était le plaisir et le summum de son cœur effectivement. Et quand il l'a fait effectivement aussi, nous avons pu voir effectivement comment il l'a fait, et avec vraiment autant d'amour qu'il a déployé dans cela, parce que ce qu'il a eu à pouvoir exprimer, c'était quelque chose de tout à fait particulier à pouvoir entendre, parce qu'il dit, faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance, avec il domine en fait sur tout
effectivement ainsi. Donc, c'était que cet homme soit aussi libre, qu'il se sente aussi heureux. Et puis, Dieu, dans cet environnement-là, il a mis l'homme pour quoi ? Et rien ne lui manque, en fait. C'est pour que vous compreniez que tout au long de l'histoire, la nature de Dieu n'a jamais changé. Amen. Et la volonté de Dieu pour l'homme n'a jamais changé. C'est nous, comme les années passent, les temps passent, effectivement, qu'au fur et à mesure que les générations passées, effectivement, que nous commençons à pouvoir penser que Dieu, il est méchant, que Dieu, il est mauvais, que Dieu oblige, effectivement. Mais nous avons oublié, frères et sœurs, qu'au commencement, c'était pas comme ça. Les liens que Dieu avait établis avec l'homme n'ont jamais été de l'obligation ou de la méchanceté, ainsi de suite. Je crois que l'homme était tellement si bien. Faut jamais oublier cela, frère. C'est pour ça que souvent, quand nous oublions, alors comme ça, on commence à pouvoir avoir de mauvaises habitudes. On pense des choses qui sont pas correctes par rapport à la personne. Quand nous regardons effectivement aussi dans les Saintes Écritures, nous voyons que tout ce que Dieu a eu à pouvoir faire, parce que le premier, comme la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et puis on a commencé à pouvoir voir ce que Dieu lui-même a eu comme désir de pouvoir en lui, de pouvoir créer. Il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les arbres, tout, les animaux et tout ça. Et tout ça qu'il faisait, ça, c'était pas pour lui, pour pouvoir. Non, il faisait ça parce qu'il voulait que l'homme soit placé dans de bonnes conditions, qu'il se sente bien. Et puis même, pour que nous puissions voir effectivement cela, c'est que c'est quand Dieu a créé tous ces animaux, effectivement, qu'il a donné la possibilité à l'homme de pouvoir prendre le droit d'agir comme il veut. Il dit, bon, donnez des noms aux animaux comme vous le voulez. Donc, c'est ce que l'homme a eu à pouvoir faire. Donc, cet homme se sentait tellement, et dans sa relation, effectivement, avec Dieu, il n'y avait pas d'obligation. Il n'y avait pas de la méchanceté de la part du Créateur. Non, c'est ce que, en plus, le Créateur lui a laissé, effectivement, dans son domaine, de faire ce qu'il a envie de pouvoir faire. Et l'homme faisait simplement la terre qu'il pouvait cultiver. Mais comme Dieu voulait que l'homme puisse vivre, effectivement, il lui a fait savoir, il dit, mais de tous les arbres du jardin, tu peux en manger. Mais c'est un conseil, si tu veux vivre, effectivement, mange de l'arbre, ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous entendez cela? Donc, effectivement, et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Dieu ne lui a pas obligé. Souvenez-vous, quand vous entendez ce que nous sommes en train de pouvoir entendre maintenant, souvenez-vous des Écritures que nous avons lues. Actes chapitre 15, verset 13. Luc chapitre 8. Matthieu chapitre 13. Est-ce que vous me suivez? Ce ne sont pas des choses comme... Non, non, c'est quelque chose dont nous devons... comprendre effectivement où est-ce que le Seigneur veut nous amener. Alors, comprenons qu'effectivement, il n'avait pas obligé l'homme, mais il lui a donné un conseil. En lui faisant savoir, tu veux vivre, pas de problème, mais si tu touches à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ben, les jours où tu en mangeras, donc certainement, tu mourras. Et quand Dieu lui a parlé, Dieu a été toujours en bon terme avec lui. Il venait le soir, il lui parlait, et tout ça, tout était bien, effectivement. Et vous pouvez remarquer, effectivement, que c'est toujours Dieu qui lui-même pense toujours à lui. Nous l'avons entendu cela. Parce que l'homme était là en train de pouvoir travailler, s'occuper de ce que Dieu lui disait dans l'allégresse. Mais c'est Dieu toujours qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous vous souvenez, non? Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà rentré depuis longtemps. Et c'est comme cela qu'effectivement que l'homme, Dieu lui a donné effectivement ce qu'il avait comme aussi désir, qu'il ne pouvait pas y penser, mais Dieu a pensé pour cela aussi. Donc toujours, Dieu a toujours eu à penser toujours du bien de l'homme. Mon frère et ma soeur, Dieu n'a jamais été méchant, mais le méchant c'est toi. Le mauvais c'est toi, soeur. Jusqu'aujourd'hui en fait. Cette méchanceté vient de toi. Parce que dès le départ, effectivement, Dieu te donne toujours. Et quand bien même l'homme a eu à pouvoir aller, comme la Bible le fait savoir, effectivement, mais Dieu ne lui a même pas abandonné. C'est vraiment merveilleux, frère. Cette personne, il démontre effectivement que non, en tout cas, Dieu, je vais partir maintenant parce qu'il savait ce qu'il faisait, effectivement, de cette manière. Vous savez cela. Et puis, bon, avec cette manière de pouvoir faire, il a maintenant eu son intelligence pour arriver à pouvoir, bon, maintenant, oui, cette situation, mais je vais maintenant quand même trouver un moyen de pouvoir quand même couvrir ma dignité, moi-même. Mais Dieu pouvait lui dire, mais vas-y, de toute façon, tu vas exposer, de toute façon, qu'est-ce que j'ai encore, puisque tu n'as pas voulu écouter, mais vas-y. Mais Dieu encore dans sa bonté.
dans son amour. Frère, nous sommes méchants. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est pas une formule, mais nous sommes méchants, mauvais. Quelqu'un comme ça. Et puis, il vient pour te dire encore, dit, mais tu vas faire le feu. Tu veux cacher ta nudité. Mais quand tu vas sortir, le soleil va sécher. L'homme n'est pas intelligent. Il pense vraiment qu'il connaît mieux les choses. Alors, quand Dieu te montre une voie, c'est la meilleure. Quand l'écriture te dit, même si ça paraît vraiment mauvais, que Dieu te bénisse. Même si ça paraît vraiment mauvais, quoi que ce soit, parce que vous êtes devenus tellement... Regardez, frères et sœurs, combien de centaines, des centaines de milliers. Nous sommes en 2000, hein. Donc c'est presque 2000, hein, vous vous souvenez, non? Bon, imaginez depuis ce temps-là, combien l'homme a eu à pouvoir avoir des intelligences, des instructions, des démons ont tellement fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que la connaissance a tellement... Donc vous êtes devenu très intelligent. Trop même. Mais intelligent dans la mauvaise direction. Et c'est dans cette intelligence-là que vous vous plaisez. Et c'est ça le problème, effectivement, aussi. Et ça devient compliqué. Parce que tellement vous êtes devenu tellement très intelligent, ça devient même difficile de comprendre les petites choses. Parce que tellement élevé dans la connaissance, là, tellement Satan vous a amené tellement loin, que vous connaissez même comment une feuille commence à vous. C'est-à-dire que vous n'avez même pas, vous ne posez même pas la question, c'est-à-dire, mais est-ce qu'il faut arroser la plante ou pas? Parce que vous êtes arrivé à lointain, parce que vous êtes allé dans les racines. Vous comprenez ça? Enfin, c'est une façon de voir comprendre les choses. C'est pour que nous comprenions effectivement que c'est tellement si simple de pouvoir simplement revenir à la simplicité de Dieu. Et nous comprendrons. Et puis en plus, quelle grâce. Malgré des centaines ou des milliers d'années, vous me suivez, il y a une chose qui doit nous frapper le cœur, qui nous montre que c'est Dieu, il est vraiment bon. Parce qu'il nous dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. Ça veut dire que ce qu'il a été toujours dès le début quand il était avec Adam, il serait toujours le même jusqu'aujourd'hui aussi. Donc, s'il a eu à pouvoir avoir ce même sentiment à son endroit, donc effectivement, il aura aussi le même sentiment aussi à notre endroit. Mais c'est par contre, nous, avec les années, beaucoup ont changé. Nos pensées, nous avons eu à pouvoir avoir en fait beaucoup des changements dans notre façon de pouvoir comprendre. Mais Dieu ne change pas. Donc, c'est-à-dire que vous êtes allé tellement si loin, mais il est toujours resté toujours le même. Donc, si nous revenons effectivement vers lui, nous pouvons retrouver effectivement la même condition. C'est pour dire que la parole de Dieu ne peut pas changer. Donc, c'est Dieu-là qui parle. C'est le même qui a parlé dans les temps passés. Il continue à toujours parler aussi aujourd'hui. C'est pour dire, j'espère que vous comprenez un peu, parce que quand on dit qu'il ne change pas, non. C'est-à-dire que c'est Jésus, c'est Dieu-là, effectivement, sa nature et son caractère ne changera jamais. C'est la même chose aussi que la parole de Dieu ne peut pas changer en fait. Elle ne peut pas devenir autre chose que ce n'est que la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, vous, oui. Vous, vos pensées, vos choses sont en train d'évoluer dans ceci, dans la science que vous avez maintenant, dans tout ceci. Mais pour Dieu, Dieu, il n'y a rien qui soit nouveau. Mais vous, oui. Beaucoup de choses sont nouvelles, effectivement, et dans les trucs, dans les choses qu'on apprend, effectivement, dans la technologie, ainsi, effectivement. Mais pour Dieu, non, parce que Dieu reste toujours pareil. Sa parole restera toujours la même. C'est pour que nous comprenions que quand nous écoutons la parole de Dieu, que nous puissions toujours nous souvenir, est-ce que c'est Dieu vraiment il change? Est-ce qu'il peut changer? Non. Alors, s'il ne peut pas changer, alors nous devons quand même être conscients que ici nous dit quelque chose aujourd'hui, même si, parce que par exemple, on dit, oui, mais parce que bon, vous savez, nous sommes dans l'an 2000, comme 2022, hein, bientôt 2023. Vous savez, c'est comme... C'est comme les enfants, en fait. Quand vous donnez un conseil aux enfants aujourd'hui, 2022, ils vous rient au nez, ils vous regardent. Oui, ça c'était à votre époque. Ça c'était à votre époque. Mais à notre époque aujourd'hui.
C'est tout à fait différent. Notre époque, dans notre époque, les choses sont différentes. Je vous donne juste un exemple. Que ça ne vous choque pas, mais c'est un exemple que je donne. J'ai entendu aux informations en rapport avec l'enseignement des enfants, je pense, de 5 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je crois, jusqu'à 8 ans probablement. Les ministres de l'éducation et puis des évolués, des nouveaux professeurs qui sont donc très évolués, qui sont donc à la page. Ils vont maintenant paginer donc nos enfants. Parce qu'ils sont comme ça. Hein. Ils ont paginé donc nos enfants. Apprendre à un enfant de 5 ans. Mais le livre est déjà sorti. Bon, finalement, non. À un enfant de 5 ans. Je ne sais pas prononcer ça, vous comprenez. Parce que l'enfant de 5 ans doit savoir comment il est venu. Donc, on doit leur montrer la chose. On doit leur montrer comment c'est, comment ça se passe effectivement. Et puis, on donne même la possibilité qu'ils puissent maintenant arriver à pouvoir explorer. Mais vous qui allez toujours déposer vos enfants à l'école, vous ne vous enseignez pas. Il faut savoir que quand vos enfants restent là-bas à l'école, ils ont des cours hein, que parfois on ne vous a pas informés. Pour les autres qui ont peut-être 10, 11, 12 ans, j'en sais rien, tout ça, ils sont devenus professionnels, je pense, parce qu'on les a déjà... Je vous l'avais dit l'autre fois ici, parce que vous ne faites pas attention. Vous avez nos enfants, quand ils sont vraiment innocents, regardez leurs yeux. Vous les touchez, il n'y a pas de problème. Mais quand on les a menés en classe, on les a fait ces vidéos-là, les enfants ne savent plus vous regarder. Parce qu'ils ont vu ce qu'il ne fallait pas voir. Et d'autres ont fait. Alors ça, on dit, en fait, c'est parce qu'on est évolué. Et que parce que dans notre génération, effectivement, eh ben, c'est la chose qu'on est à la page. Donc on doit, et puis ils défendent ça très bien, hein, on doit arriver à pouvoir la voir. Sinon, ils disent, mais vous, à votre époque, là, quand vous étiez là, votre époque, c'était pas comme ça, votre époque, vous venez toujours, mais ici, nous, on doit tout connaître. Et nous, on doit tout connaître. Eh bien, c'est ce que le diable a dit, non? Vous vous souvenez pas? Oui. Tes yeux s'ouvriront. Ils s'ouvriront dans le bon sens. Non, dans le mauvais sens. Oui. Regardez maintenant la quantité de prostitution maintenant qu'il y a. Ah ben oui, monsieur. Mais c'est la porte qui est ouverte, en fait. Ce qui veut dire qu'effectivement, on a l'impression, c'est aussi Dieu qui l'a dit, oui, les choses, nous apprenons beaucoup maintenant, en fait. C'est que l'ancien évangile, la manière de Dieu de pouvoir faire ne changera jamais. Nous remercions Dieu que nous, du vieux, des anciens modèles, nos parents nous ont éduqués. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je crois que la plupart de ceux qui sont ici, qui ont eu leurs parents, je connais même des grandes personnes, ils disent, vous savez, c'est Dieu avec pitié. Des parents avaient une façon de pouvoir parler à leurs enfants par rapport aux grandes personnes. Jamais un enfant ne pouvait appeler une grande personne par son nom. Non, l'enfant sent que non, c'est pas possible. Mais ici, on doit obliger, mais tu dois m'appeler par mon nom. Un jour, j'ai eu un cas comme ça avec une personne âgée qui était avec mon petit-fils, Solomon. Et Solomon, il dit, non, appelle-moi par mon nom. J'ai dit, et Solomon était coincé. Non, c'est vrai. Parce que la personne, normalement, c'est là la coupe de l'année. L'enfant était coincé, il dit, mais non, c'est pas possible. Parce que, c'est un moment où il n'a pas éduqué comme ça. Vous connaissez mon bébé, non? Comment il éduquait son petit-fils? Oui. Son fils. C'est le mien. Elle sait ce dont je parle, évidemment. C'est pour dire que
nos parents nous ont éduqués, effectivement, pour que nous puissions savoir. Quand, par exemple, nous rentrons dans la Sainte Écriture maintenant, quand, par exemple, une personne âgée passe à côté de nous, c'est vraiment une trop grande impolitesse. C'est comme ça qu'on nous a instruits. Et la Bible le dit aussi. De rester toujours assis comme ça sur la chaise, collé comme ici. Bonjour frère. Bonjour monsieur. On est resté assis comme ça. On s'élève. C'est ce que vous devez dire. Oh non, vous êtes des blédards. Mais les blédards ont été bien éduqués. Moi, je suis heureux d'avoir été un blédard. Parce que dans mon blédarisme, on m'a appris vraiment. Et tous les enfants qui viennent du bled, là, ils ont été bien éduqués. Que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur, que nous comprenions qu'effectivement, qu'il nous est toujours nécessaire de revenir à l'ancien. Quand nous sommes dans cette condition-là, alors nous sommes dans la position dans laquelle Dieu, nous sommes en communion avec lui. Parce que lui, il ne change jamais. Il demeure toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour ça que nous avançons avec confiance. S'il y avait une variation en ces dieux, on se poserait la question, jusqu'où on va aller? Si la parole de Dieu se changeait tout le temps, sur quoi alors on va aller se reposer? Mais il a une sagesse qui nous a vraiment instruit d'abord, nous montrant que lui ne change pas. Il est l'alpha, il est l'oméga. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas, il ne peut pas changer. Alors nous avons la confiance qu'effectivement que dans tout ce qu'il a dit, parce que vous pouvez regarder bien que Dieu n'a jamais changé sa parole. C'est cela. Mais il nous manifeste effectivement l'accomplissement de sa parole. C'est cela que nous avons lu dans les Saintes Écritures. Nous sommes chrétiens concentrés et touchés par ce point qui est tellement si important parce qu'il s'agit d'un peuple dont les Saintes Écritures nous ont parlé effectivement, un peuple qui porte à son nom. Et nous comprenons qu'effectivement, qu'il est un peuple que Dieu nous témoigne qu'il est vraiment si particulier et si important. Il est tellement si important que Dieu a placé des qualificatifs. Prenons l'exemple. Dans les livres des Éphésiens au chapitre 5, Éphésiens au chapitre 5. Alors, il dit ici. Ah, merci, que Dieu vous bénisse. Éphésiens chapitre 5. Attends, on va lire à partir du verset 22. Voilà, il dit ici. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car les maris et les chefs de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est donc le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez donc vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant... Je sais qu'il y a... c'est pas la même chose chez vous, hein? Bah, je vais prendre votre version. Parce que, vous savez, c'est parce que... avec les écrits, et petit dans les choses, je prends souvent cela, mais vous connaissez quand même les versions que vous avez, elle est aussi bonne. Mais si j'ai lu la mienne, elle continue, bon, évidemment, vous comprendrez, non? Amen. Merci beaucoup. Alors, dis-moi. Merci donc, afin de sanctifier par la parole, afin de faire paraître
devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Et là, nous l'avons compris aussi, nous l'avons entendu aussi, ce que lui-même, ce peuple en question, il appelle donc son Église. C'est parce que il exprime en réalité aussi quelque chose de particulier pour pouvoir montrer la place et la position effectivement qu'occupe en fait ce peuple. Elle parle effectivement que car le mari, verset 23, car le mari est le chef de la femme comme Christ, il est le chef de l'Église. Donc, ces groupes-là particuliers dont on avait entendu au chapitre 15, verset 13, effectivement, on comprend que, en réalité, c'est un groupe qui a une importance parce que lui-même, le Seigneur, est le chef. Le chef, c'est-à-dire que c'est lui qui est la tête, en fait. C'est lui qui coordonne tout, en fait, pour, effectivement, cette église-là, c'est-à-dire pour ce groupe en question. Alors, regardez très bien ce que les Saintes Écritures nous font savoir. Et ce groupe-là, effectivement, donc, on appelle donc l'église, et on nous exprime encore pour voir, en fait, la place aussi élevée, il dit, qui est donc son propre corps. Alors, ça, c'est une question qu'on doit se poser. Cette église, donc ce groupe de peuples-là, qu'il a dit, mais il s'est tourné vers les nations pour choisir du bien d'un peuple, un peuple qui porte à son nom. Donc là, maintenant, on nous clarifie qu'effectivement, ce peuple en question, c'est en fait l'église, en fait, de Christ. Et cette église, parce qu'on appelle l'église, puisqu'il a dit lui-même qu'effectivement, que je bâtirai mon église. Donc nous comprenons effectivement que c'est son Église. Alors maintenant, les Saintes Écritures nous montrent encore plus de lumière encore. Quand il a dit que je bâtirai mon Église, ça ne pouvait pas être d'autres matériaux qu'il pouvait utiliser. Parce qu'on nous dit qu'effectivement là, que c'est son propre corps. Et l'Église, effectivement, dont il est parlé effectivement ici dans les Éphésiens, on nous dit, regardez très bien, il dit... Comme Christ est le chef de l'Église, qui est donc son corps. Son corps. Alors, si on parle du corps de frère Jonas, ça ne peut pas être le corps comment s'appelle ton fils? Ça ne peut pas être le corps de Godson. Ça ne peut pas être le corps de Godson. Parce que Godson et Godson, frère Jonas et frère Jonas. Alors, si on dit que ça, c'est le corps de frère Jonas, on ne peut pas dire, bon, c'est une image de... Bon, ça, c'est en fait, quand je vois Godson, je dis, Godson, il est vraiment le corps de Jonas. Ce n'est pas possible. Vous me suivez? On prend ça pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Donc, quand on dit le corps de Jonas, c'est 100% Jonas lui-même. C'est pas une image, mais 100% Jonas lui-même. Alors, si le Seigneur dit, on nous dit ici que l'Église, c'est son propre corps, alors ça doit vouloir dire quoi? Frères et sœurs, ça veut dire que ce peuple-là, il doit avoir une caractéristique particulière. Il dit, c'est pas possible, parce que si Dieu s'y attache ainsi, c'est pas possible autrement. Il doit y avoir quelque chose. Et ce peuple qui doit constituer ces groupes-là, ils sont tellement avec des caractéristiques particulières et différents. Il doit être différent. Différent de tout ce qu'on peut arriver à pouvoir avoir comme être humain.
Ça, c'est 100% la vérité. Ils doivent être différents avec des caractéristiques tout à fait différentes par rapport à tous les autres êtres humains. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Et maintenant, il vient aussi montrer, pour montrer la particularité, effectivement, de ce que ce groupe doit et devra être, effectivement, il dit, il est très bien, hein, il dit encore en continuant ici, il dit, je vais prendre votre Éphésiens chapitre 1, parce que bon, ce que je vais là-dedans, c'est toujours Éphésiens où nous sommes, effectivement, c'est là que je voudrais que vous restiez un tout petit peu. Donc, chapitre 5, voilà, verset 22. Il dit, verset, bon, je dis, donc, donc chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, donc la tête de l'Église, qui est donc son corps, et dont il est donc le sauveur. Voyez-vous? Et puis il dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et là, on nous montre clairement maintenant le lien, les liens qu'il y a maintenant entre ce groupe-là. Vous suivez? On appelait l'Église, effectivement, le corps de Christ, et Christ lui-même. C'est-à-dire que maintenant, c'est un lien de mariage. Parce qu'on nous parle maintenant femme et mari. Comme ça, on le répète ici, on dit, mais le même que Christ, il dit que c'est un or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc la soumission est là. Donc entre Christ et l'Église, eh ben, il y a un lien. Alors, ce lien, en fait, nous ramène maintenant à pouvoir comprendre ce que Dieu a voulu que nous puissions voir. C'est quoi? Et cela nous ramène effectivement aussi dans Genèse. Vous vous souvenez, non? Il nous l'explique ici. Regardez. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin, écoutez bien, de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Donc, maintenant, ce n'est pas une parole qui concerne effectivement tous les croyants. Parce que des croyants, il y en a. Mais la parole ici, dont on parle effectivement, qui nous montre effectivement l'intérêt du Seigneur, de Dieu lui-même, cet intérêt n'est pas pour tous les croyants parmi les nations, mais c'est pour un groupe seulement. Vous lisez avec moi? Amen. On voit bien que Dieu ne s'intéresse pas à tous les croyants, mais il s'intéresse simplement à ce croyant-là, à ce groupe-là. Il dit lui-même, il va faire en sorte que ces groupes en question soient vraiment sanctifiés, purifiés, mais dans tout le moindre détail, afin qu'ils soient irrépréhensibles, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saintes et glorieuses. Vous m'entendez cela? Ça, c'est ce que Dieu, notre Seigneur, veut de ce groupe-là. C'est-à-dire qu'un groupe qui est irrépréhensible, c'est-à-dire quoi? Pour que tu sois irrépréhensible, il faut que tu sois la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de défaut. Regardez ce qui est merveilleux. C'est important que vous suiviez, frères et sœurs, et c'est nécessaire. Regardez ce qui est merveilleux. Parce que d'abord, en parlant d'irrépréhensible sans tâche, il est dit, non? Il a dit, et il s'est donné lui-même, donc il est mort, donc il s'est donné lui-même, en forme de la sanctifier, de la purifier, parce qu'il a fait sacrifice.
Ça veut dire qu'effectivement que, puisque il avait déjà eu à pouvoir les dire, qu'effectivement que, pour ces groupes-là qu'il avait choisi, effectivement, il accomplit l'acte pour confirmer, c'est-à-dire témoigner davantage qu'il est impossible que cela puisse faillir. Qu'est-ce que, frère, tu veux nous dire, impossible que cela puisse faillir? Dans les livres des Éphésiens au chapitre 1, nous lisons bien avec vous, nous tournons les pages. Regardez bien. Au verset 4. Il dit, Éphésiens 1, car vous y êtes, non? En lui donc, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui et nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange, et la gloire de sa grâce qui nous a donc accordé en son bien-aimé. En lui donc, nous avons donc la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse par sa grâce, que Dieu a répandu effectivement abondamment sur nous par toutes ces espèces de sagesse, d'intelligence, en nous faisant connaître les mystères de sa volonté sur les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient donc accomplis de réunir toutes choses en Christ. Amen. Mais regardez bien. Avant la fondation du monde, élu pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Cela devait être rendu possible. Il a dit, à pouvoir le dire, que nous étions élus, comme nous l'avons entendu effectivement, mais il fallait que cela soit rendu possible, que les humains tels que nous sommes, nous puissions arriver à pouvoir atteindre l'irrém, comme dit, sans reproche, sans tâche, effectivement, ainsi de suite, effectivement. Il fallait que cela soit rendu possible. Mais c'est pour ça que la Bible dit qu'il est mort pour que cela soit rendu donc possible. C'est vrai que nous connaissons cela, mais regardez très bien ce qui est important, ce quoi. Puisqu'il dit qu'il doit, parce qu'il dit que ce groupe-là doit absolument être à ce niveau-là, irrépréhensible, sans tâche, ni rite, ni rien de semblable. Vous vous souvenez? Ok. Alors, mon frère et ma soeur, si Dieu veut que ce groupe-là, qui soit saint, parce que d'ailleurs, vous entendez comment d'abord il exige, et en parlant, en rapport avec ces groupes, effectivement, aussi. Puisque la volonté de Dieu est que ces groupes en question soient vraiment arrivés à pouvoir atteindre la perfection sans reproche, rien de semblable, rien de tout ce qu'on peut arriver à pouvoir penser de pur dans un homme, effectivement, d'un pur dans un homme, il ne peut même pas exister, mais simplement la pureté, la sainteté, donc 100% la parole. Alors c'est à ce moment-là, écoutez-moi très bien, que Dieu lui-même a le droit d'exiger maintenant à ce peuple-là des choses qu'ils doivent arriver à pouvoir accomplir pour se maintenir en fait dans la condition de la sainteté, de la pureté, de ce que Dieu veut. Alors vous allez comprendre ce moment. C'est pour ça que vous remarquerez très bien que ce n'est pas à tous, mais à ce peuple-là, Dieu leur dit ceci. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous le même joug. 2 Corinthiens chapitre 6. Je voudrais que vous compreniez ce que nous allons lire. 2 Corinthiens chapitre 6. Des Corinthiens, chapitre 6, verset 14, il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Maintenant, Dieu leur parle en disant « Vous maintenant,
ce que moi, je veux que vous fassiez, ce que vous devez être différent. Il s'adresse pas. C'est important que vous compreniez. Je sais que vous avez toujours entendu ça. C'est important que vous compreniez vraiment, que vous saisissiez, frère. Parce que nous devons arriver à pouvoir comprendre, frères et sœurs, comme nous l'avons dit, nous ne voulons plus des frères et des sœurs qui sont des plaignants. En tout cas, je ne les veux plus. Des frères et des sœurs qui sont toujours contradictoires aux saintes écritures. Ma sœur, qu'on t'ait montré effectivement que ça c'est conforme, ça c'est la parole, tu vas toujours murmurer, tu vas voir des gens X, Y, à gauche, à droite, mon frère, la même chose. Nous avons besoin simplement des fils et des filles de Dieu obéissants. Écoutez bien. Parce que ça, il ne s'adresse pas à tout le monde. Écoutez très bien, il dit, mais ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il ne peut pas y avoir un lien entre la justice et l'iniquité. Non. Nous l'avons lu avec vous ici. La Bible dit que en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Donc cette nature-là étant donc en toi, mon frère, quand tu es appelé dans ce groupe-là, tu as cette nature, tu es celui qui, quand tu entends ça, je donne un exemple. Quand on dit maintenant, femme, soyez soumise à vos maris, on ne dit pas toutes les femmes du monde. Hein? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je crois que vous comprenez. Amen. On ne s'exprime pas tout le monde. Dieu n'a rien à faire avec toutes les femmes du monde. Hein? Si toi, tu fais partie des femmes du monde, Dieu n'a rien à faire avec toi. Il parle de ceux qui font partie de son corps. De son église. Je dis bien non, il est à la tête de son église, pas des femmes du monde. C'est pour ça que celles du monde font ce qu'elles veulent. Elles marchent comme elles veulent. Toi aussi, si tu es une partie d'une femme du monde, malgré que tu es ici, tu feras ce que tu vas. Mais si tu fais partie de l'église que Dieu s'est choisi, qu'il a connu d'avance, parce que nous avons entendu, Dieu ne fait point d'erreur. S'il t'a choisi, toi, c'est qu'il t'a déjà examiné avant même que tu viennes dans ce monde. Donc il a bien travaillé, regardé, effectivement, il savait que toi, tu ne résisterais pas. Parce que la Bible dit, tous ceux que Dieu a connus d'avance, il a aussi prédestinés. Donc, ça veut dire que l'intérieur de la personne est vraiment aussi disposé. C'est pour ça qu'il ne faut pas y avoir des combats. Oui, toujours on nous dit, femme, soyez soumise. Eh, moi, je sens que mon mari l'exagère. Mais tu n'es pas de la liste. Oui. Non, la parole de Dieu ne s'adresse pas à toi. Elle s'adresse à l'église. À l'église. À l'église. Et puis, on dit bien, effectivement, que de même que l'église est soumise à Christ. Ben oui, parce que un aile, effectivement, elle a ça, c'est lié de s'attacher, effectivement, à son Seigneur. Et alors, c'est à celle-là, effectivement, que oui, que le Seigneur, notre Dieu, s'adresse par vous. Alors, nous continuerons. Très bien, dis-moi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? On ne pouvait pas mélanger, parce que... Et c'est toujours à ce groupe-là que, dans les livres d'Ésaïe 60, on nous dit, lève-toi donc! Donc tu étais là en train de patauger dans les ténèbres, on confondait, on pensait que tu étais aussi du même nombre. Non, 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 non! Donc les ténèbres coupent la surface de la terre, effectivement. Vous voulez qu'on le lise, non? Ésaïe 60. C'est pour ça, frère et soeur, vous ne devez pas vous révolter. Oh frère, moi je trouve que ça devient dur la parole. Non, non, non. Vous devez savoir, comme nous l'avons entendu au départ, effectivement, Dieu n'oblige personne. Mais quand tu as son église à lui, puisqu'il veut que l'église soit effectivement ainsi, alors il travaille, et puis son église collabore avec lui. Amen. Alléluia, oui.
Ah, dit des gens, parce que c'est normal, parce que l'église doit faire, mais c'est comme dans les jardins d'Éden, non? Vous vous souvenez? Quand ils étaient mal habillés, effectivement, et bien quand ils ont déshabillés, ils n'ont pas commencé à dire, ah, pourquoi moi je dis, non, ah, gloire à Dieu. C'est ça. Donc c'est-à-dire que l'obéissance était là, quand même. Donc l'église, effectivement, nous, Dieu est bon, prédisposé, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas désobéir. Parce qu'elle a été prédestinée pour cela. C'est pour ça qu'il n'y a pas de révolte. Même si la parole est tellement dure, vous ne la verrez pas. Ah non, moi je m'en vais. Moi je vais pas. Non, non, si tu t'en vas, tu n'es pas de nombre. Parce que l'enfant qui respecte la correction, il a un problème, c'est sûr et certain. Si on ne te châtie pas, c'est que tu n'as pas droit. C'est ce que tu es, quoi. Vous devez devenir responsables, frères et sœurs. Pas toujours mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Oh, c'est toi. Tu dois te tenir devant la parole de Dieu. On ne peut pas dire, oh, c'est toujours mon mari, à cause de mon mari. Non. Non, non, non. Ah, c'est ma faiblesse, c'est ma femme. Hein. Toujours ma femme, hein, toujours ma femme. Dis non, 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 non. Non, 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 monsieur, c'est ton problème, c'est toi avec la parole. Regarde-toi. Est-ce que je suis où? Alors, il dit, écoutez bien, il dit, mais quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y a pas. Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? C'est parce que c'est aussi comme cela, frères et sœurs. Vous embrassez avec, excusez-moi l'expression, je ne vais pas embrasser, mais vous embrassez, je ne sais pas comment vous pouvez expliquer ça, mais avec des copains à gauche et à droite, des copains d'école, comprenez-moi pas mal. Mais vous avez à prendre des amis à gauche, mes frères, c'est pas possible là. C'est pas possible là. Si nous devons s'éduquer aussi nos enfants, on va à l'école bien sûr, on va voir les gens, on parle avec effectivement, mais on ne peut pas faire des amis avec des mauvaises compagnies qui vont corrompre nos bonnes mœurs. Oh maman, je suis rentré, j'ai maintenant un copain à l'école, bon comme ils ont regardé, ils ont organisé soirée sans pyjama, et puis nous aussi on doit aller. Ah non, non, pardon, soirée. Voilà. Parce qu'avec les enfants, on entend beaucoup de choses. Et alors maintenant, on dit... Ça, c'est... Alors, papa et maman vont veiller quand même. Donc, vous comprenez. Donc, c'est pas normal. Dieu nous a donné quand même un rassemblement. On a des frères, on a des sœurs. Vous voulez des amis comment? Je sais pas. J'en sais rien comment pouvoir initier. Tout ça, on peut juger parce qu'il y a une aspiration du monde qui est quelque part. Si on est sorti du monde, on sort du monde. On quitte le monde et on les laisse, on dit au revoir parce que j'étais là, j'étais vraiment un esclave. Mais maintenant là, je monte. Parce que quand Dieu, le Seigneur t'a placé dans ce groupe, tu fais partie là. Tu détestes le monde. Comme il y en a encore d'autres ici, on va prendre un petit shop quelque part, un peu marcher maintenant. Oui, vous pouvez quand même prendre, je ne sais pas, on va aller prendre nos macumoto. Vous pouvez prendre votre frère, votre soeur, on va dire, mais mangez quick, je ne pense rien. Pourquoi aller chercher quand même l'équipe? Et vous savez, les gens trouvent toujours des raisons. Oh, parce que vous savez, bon, à l'assemblée, et toujours des frères, on sera toujours à la parole, comment on va parler, il faut qu'on parle un peu de tout le monde. Mais on ne vous a pas dit de ne pas parler de la lune, quand même. Tu veux parler de la lune, tu veux parler de la mer, ou bien de le pôle nord, tout ça. On peut aussi parler de pôle nord, hein. C'est ça, frères et sœurs. C'est parce que vous devez comprendre qu'effectivement que c'est une vie, mais elle est merveilleuse. Amen. Elle est glorieuse. Parce que, frère, faire partie de ce groupe-là, non. Mon frère et ma soeur, regardez d'abord la qualité. Regardez ici, pardon, pour que vous puissiez voir. Parce que bon, je termine d'abord ici, dans un Corinthien ici. C'est pour que vous puissiez comprendre, frère, c'est un privilège. Mais Dieu doit être exigeant là-dedans, avec ceux qui sont à lui. Parce que frère, vous êtes appelés, je pense de parler de ceux-là dans l'humanité, ils sont appelés à arrêter des choses tellement extraordinairement qu'on ne peut même pas imaginer.
C'est pas comparable à toutes les bêtises que nous avons, à toutes les choses inutiles ici, de pouvoir, oui, il faut que je sois avec mes copains pour prendre un petit verre ou bien un petit mousseux quelque part. Très mousseux, mousseux. Mais c'est ça qui tue la plupart des temps, des gens. Disent, oui, mais puisque je ne vais pas prendre. Mais quand tu deviens chrétien, on ne va pas prendre les mousseux, mais va prendre les mousseux. Qu'est-ce que le mousseux va te faire? Ça te détruit encore davantage. Mais c'est parce que c'est maintenant les choses commencent à devenir vraies. Ils commencent à dire la vérité. Mais oui, tout ce que vous prenez qui a tendance à pouvoir avoir l'alcool, la cause, ils disent même, hein, ça détruira toujours vos foies, vos reins plus tard, effectivement. Même quand ces médecins qui vous disent, oh, prends un tout petit peu un verre d'alcool pour le cœur, ils sont de mauvais. Parce que ils ont dit, oui, monsieur, vous savez, l'alcool n'a jamais aidé le cœur. Bon, s'il vous plaît, je vois que non, si vous prenez votre petit verre de vin, je ne suis pas responsable que vous puissiez dire, non, c'est votre droit de faire ce que vous voulez. Moi ici, je prêche la parole. Parce que je sais une chose, frère et sœur. Il y a toujours des combats, prévenons les vins ou pas boire du vin. Bon, moi, je bois du vin à la Sainte-Seine. Voilà. Non, parce que vous me posez la question, moi, je vous réponds. Moi, je vois mon. Vous voyez, quand je suis libre, avec la grande coupe en plus. D'ailleurs, j'ai dit, oh, Dieu du ciel, quand je fais ça, j'ai dit, aide-moi, Seigneur, pour que, en conduisant après. Donc, avant de sortir ici, je le bu beaucoup d'eau. Mais Dieu nous garde après la Sainte-Seine. Donc, vous comprenez effectivement ce qu'il est. C'est pour que nous comprenions effectivement que. Nous devons chercher ce qui est. Et surtout, la chose qui est particulière à ceux-là qui font partie de ce groupe-là. On dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui est le chef, non? C'est qui la tête? Nous l'avons lu avec Ephésiens, non? Il est impossible qu'il soit la tête qui ne te conduise pas. Vous voyez comment Dieu a exprimé les choses. Vous me pardonnez, hein? Revenons vite dans Ephésiens chapitre 1. On va terminer dans 2 Corinthiens chapitre 6 ici. Vous avez la patience? Amen. Il n'est que 13 heures. Ne vous fâchez pas. Hein? Ah, ok, nous revenons à Ephésiens chapitre 1. Regardez. Regardez. Nous allons lire beaucoup. Hein. Nous avons lu ici, verset 4, nous sommes arrivés au verset 6, je pense. Verset 4, nous lisons 4. Nous relisons alors. À lui donc, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce. Et c'est la même chose que vous, non? Oui, parce que je dois rester quand même juste droit avec vous dans ce que nous lisons ici ensemble, parce que je peux faire quand même dire ici. C'est vrai que là, c'est moi, j'ai lu clairement aussi, mais bon. Il dit, bon, oui, c'est... 4, oui, c'est cela, oui. Donc, verset 6, à la louange et à sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui donc, verset 7, nous avons donc la rédemption par son sang, la rémission donc des péchés. Vous suivez? Amen. Des péchés, selon donc la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. Donc, quand tu fais partie de ce groupe-là, donc dans ces lieux-là, tout est péché à toi. Alléluia. Mon frère et ma soeur, non, c'est merveilleux. Amen. Faire partie de ce groupe-là, Dieu ne voit plus tes péchés. C'est-à-dire que, on va te regarder, mais non, tu es différent. Il dit, mais comment c'est. Donc, dans ce groupe-là, c'est un groupe extraordinaire, mon frère. Parce que tu n'as pas un homme qui te conduit, tu as le chef lui-même, la tête, Dieu lui-même, qui a les yeux sur toi. Et il donne des hommes pour pouvoir, il va pour, parce que pour toi, en fait. Non, tu es privilégié. Être dans ce groupe-là. Non, 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 non. Je donnerai tout ce que je peux avoir pour ne rester que là. Amen. Et je crois que hier, c'était hier qu'il a chanté. Nous avons 12 ans. Et c'est. Non. J'ai chanté la croix.
Ah. Et Dieu te bénisse, toi. Aïe, aïe, aïe. Tu peux bien. Vous me permettez. Amen. Tu les donnes tellement si bien. Prends le micro. Amen, amen, amen. 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 C'est tellement. C'est la manière dont. Oui. Voyez-vous, comprenez bien que c'est pour ceux qui sont dans ce groupe-là. Alors, on lance nous encore. J'ai chanté la chorale. Et la chorale aussi, parce qu'il y en a. Pour ce groupe, hein, pour ce groupe-là. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui est cru. Alléluia. Chose impossible, mais il l'a fait. Il a condamné le péché sur ma chair. Alléluia. Chose impossible pour toute humaine. Par un danger des esclaves du péché, il a fait, il m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par un danger d'esclaves. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, mon roi. Il a fait, il m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Personne n'est juste, non, même pas un seul. C'est ce que disait la loi contre tous humains. Oui. Mais par la croix, je suis sanctifié, justifié par l'enfant de Jésus. Et je suis saint. Enfant du royaume, libre d'entrer dans les lieux des saints. Alléluia. Plus de vitesse, plus de sang de boue. Gloire à Jésus-Christ pour moi. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Du péché, il a fait, il m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par un danger d'esclave du péché. Il a fait, il m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Ah oui, c'est pour ça que dans les Saintes Écritures, on nous dit il n'y a maintenant aucune condamnation. Amen. Pour ceux qui sont donc en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc nous comprenons très bien, mon frère et ma sœur, qu'il s'agit de tout ce que nous avons chanté ici, rien que pour ce groupe-là. Parce que s'il est monté,
C'est pour ces groupes-là, effectivement. Nous remercions, vous n'avez pas vraiment réalisé, et les gens ne réalisent pas pourquoi c'est tellement si important pour notre Seigneur, et ces groupes-là ont une importance capitale et particulière. Mais regardez, comme nous lisons dans le livre des Éphésiens, nous étions donc au verset ici, verset 7, à lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon donc la richesse de sa grâce que Dieu a répandue donc abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons donc connaître les mystères de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait donc formé en lui-même. Et ça, ce ne sont pas tous les croyants que Dieu peut se révéler. Non, Dieu ne peut pas révéler. Nous l'avons entendu avec vous la fois passée. À vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu et pas à eux. Donc c'est toujours ce groupe-là. Alors il dit, que Dieu te bénisse. Il dit, nous faisons connaître les mystères de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est pour ça que c'est important, parce que vous puissiez comprendre cela, afin que quand vous regardez les autres dénominations, vous pouvez comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe. Les dénominationnels ne pourront pas mettre la parole de Dieu en pratique, parce qu'ils ne sont pas dans ce groupe-là. Il faut vous comparer toujours. Oh là-bas, ils se mettent du maquillage, ils se mettent des cheveux, non, des ceci et cela, mais quand même, ils prient aussi Dieu. Mais en fait, Dieu n'a rien à voir avec eux. Dieu est exigeant avec ceux qui font partie de ce groupe-là, parce qu'ils sont à lui. Et Dieu ne parle pas à eux, mais c'était ce groupe-là, effectivement, parce que c'est ce groupe-là qui lui appartient, ce groupe-là, ceux qu'il a choisis du milieu des nations. C'est ce groupe-là auquel Dieu travaille. Alors, continue, il dit, écoutez bien, il dit, nous étions dans verset 10, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient donc accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui donc, nous sommes aussi devenus, vous suivez, héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, écoutez bien, après avoir entendu la parole de la vérité, parce que c'est cela. Comme vous savez ce que l'apôtre Paul a eu à pouvoir dire, effectivement, qu'en disant Timothée, prêche la parole. C'est pour ça que nous sommes combattus toujours. Prêche la parole, incite aux consens. Parce qu'il arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils diront la démagaison mentant les choses. Ils tourneront donc le règne de la vérité. C'est ça que vous devez vraiment faire très attention. Parce que quand on est de la vérité, on ne peut pas combattre la vérité. Alléluia. Je préfère que la parole de Dieu me montre mes erreurs. Que moi je veux, mais c'est moi que je veux enfin montrer l'autre. C'est important, frère et sœur. Parce que quand on veut cela, c'est parce que au-dedans de toi, tu n'étais pas destiné à voir toutes ces erreurs-là à l'intérieur. Toi, c'était la justice, la droiture et être correct. Puisque ça, c'est la nature, le caractère qui est au-dedans de toi. Alors, quand la vérité vient, quand tu es dans l'erreur, tu dis non, c'est la vérité, ça. Amen. Tu ne peux pas combattre. Mais quand tu es faux à l'intérieur, tu vas toujours combattre parce que la lumière va toujours avoir la guerre à l'intérieur. Quand la lumière va pointer et montrer effectivement, vous allez voir, regardez, c'est vraiment extraordinaire. Bref, mais ça dit que quand la vérité frappe effectivement à l'intérieur de quelqu'un dont la parole de Dieu s'y trouve, il change de position. Alors il dit, regardez bien, nous continuons, il dit, alors lui, vous avez aussi entendu donc la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez donc cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Vous entendez cela? Donc, acquérir, c'est la propriété, donc je me suis acquis, c'est à moi. On ne fait pas, comme je vous l'avais dit l'autre fois, je pense que c'était qu'on avait entendu hier,
Il dit, quand on parle effectivement du baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance. Or, le Seigneur a eu à pouvoir dire que il faut naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux même pas comprendre, saisir les choses qui sont dans ton royaume. Donc, la nouvelle naissance est une exigence. Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que chacun de nous doit vraiment expérimenter la nouvelle naissance. Et je pense aussi, par la grâce du Seigneur, avoir aussi arrivé à pouvoir aussi apporter à votre connaissance, pour dire qu'effectivement, qu'il est impossible de naître de nouveau si tu n'as jamais été auparavant en Christ notre Seigneur. Pour toi, comme je vous l'ai dit, vous naissez de nouveau. Pourquoi? Parce que vous devez retourner dans votre position. Votre position originelle, ce n'était pas d'être un païen, un pécheur, ainsi de suite. Est-ce que vous savez cela, non? Amen. Donc, on est de nouveau parce qu'on doit retourner dans notre position qu'on était avant. Il nous a dit, non? En lui, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde à être ses enfants d'adoption. N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi ces groupes-là, qu'on a appelés donc des élus, parce que Dieu les a appelés des élus. Vous êtes fatigués? Non. Parce que vous baillez déjà. Vous entendez? Ok. C'est pour cela que ceux qui font partie de ce groupe-là, ils ne meurent que pour Christ. Ils ne vivent que pour Christ. Il n'y a pas un autre nom qui peut leur faire plaisir. Pas un prophète, pas un apôtre, pas peu importe le roi qu'on peut nommer. D'ailleurs, il y a un chantier comme ça. Hein. Il dit, nanana, tu le connais, vous connaissez, nanana, 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 nanana. Que Dieu vous bénisse. Parfois, nous chantons des cantiques et puis on chante comme ça. On peut... Et quand on s'arrête, on dit, c'est vrai. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom du Christ mon pronom. Quel bon nom, quel bon nom, porté loin de l'éternel. C'était vraiment inspiré, hein. Bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel, quand soit un homme, soit prince ou qui soit roi, de quelqu'un nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel bon nom, quel bon nom, quand t'es loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Maintenant la question est celle-ci, mon frère. Est-ce que vraiment, parce que parfois tu peux le répéter, est-ce que vraiment tu aimes vraiment Jésus le Christ? Est-ce que son nom à lui fait vibrer ton intérieur? Mon frère, c'est ça l'élection en fait. L'élection ne se bat que pour ce nom-là. L'élection ne va pas se battre pour autre chose, effectivement, à gauche et à droite, parce que ça ne lui rapporte rien. Parce que on dit bien que nous sommes élus en lui, en lui. Donc il y a ces noms-là dans notre lien, de ce que nous, notre existence. Alors nous ne sommes pas intéressés par ce que les autres peuvent être intéressés. C'est pour ça que je vous l'ai dit, effectivement, que Dieu ne s'occupe et ne s'adresse qu'à son Église.
à son peuple. Et le seul, donc, il est aussi la tête de son Église. Et vous pouvez avoir aussi hein, votre tête aussi. Hein. Donc là, votre Église à vous dans laquelle vous vous trouvez, effectivement. Mais quand c'est l'Église de Christ, effectivement, dans laquelle Dieu nous a donc placés, ben, nous n'avons que Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est la raison pour laquelle, dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul veut dire, nous nous prêchons. Et je n'ai pas eu la connaissance d'avoir autre chose. Bien sûr. Maintenant, comme nous le disons, je vais continuer la lecture. Que nous puissions bien comprendre qu'il ne s'agit pas de fanatisme obsédé, ou c'est pour dire que Jésus, non, ce n'est pas cette manière de Jésus-là. C'est l'amour de cette personne. Vous la sentez en vous. Et quand on parle de lui dans de bonnes manières, vous sentez que votre âme respire. Alléluia. Oui. Quand son nom n'est pas là, vous sentez que ça ne sert à rien. On a tout fait, on a fait des cotations, des citations à gauche et à droite. C'est ce que je voulais dire encore. Ça ne sert à rien. C'est vraiment du vide. Oui. Amen. Oui, c'est pour ça que vous avez des fils du malin qui se sont fait des prédicateurs et qui amènent tellement à tromper. Mais comme il y en a de ceux-là aussi qui sont des semences qui peuvent être trompés, ah ben. Et ça s'emballe facilement. Hein. Les mauvaises herbes, regardez très bien. Ça pousse vite, mais ça s'emballe. Vous n'avez même pas besoin de l'arroser. Ah, ils sont coriaces, hein. Même quand il fait chaud, là, ils sont toujours là. Ils sont, oui, bien sûr, mais les bonnes herbes, c'est toujours... Les meilleurs, c'est toujours comme ça. En fait. Ils sont très peu nombreux, mais il faut les prendre soin. Mais les mauvaises herbes, ils font des dégâts partout. Que Dieu nous aide. Amen. Continuons, fidélité, fidélité. Alors, il dit ici, il s'est acquis donc à la louange de sa gloire, donc verset 14, verset 15, il dit, mais c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, Seigneur, c'est la même chose, c'est vous, hein? Oui. Alors, et de votre charité pour tous les saints. Frères, et ça, c'est, nous parlons effectivement, on s'adresse effectivement à ces groupes-là. Il est impossible, frère, ça, que ce groupe, que tu puisses aimer le Seigneur de tout ton cœur et de ne pas prendre soin de ton frère. Les deux vont ensemble. Amen. Je ne peux pas dire, j'aime Christian. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand vous aimez le Seigneur, vous aimez la personne, vous l'aimez vraiment. Alors c'est vraiment... parce qu'il n'y a pas autre chose dans votre esprit. Non, peu importe, me demandez, oui, il est. Mon problème n'est pas, il est la personne. Parce que moi, j'ai dit, mon problème, c'est que Christ, il est où? Il est en moi. Christ qui m'a demandé. Mais en fait, vous ne vous forcez pas d'aimer la personne. Et puis, vous remarquerez très bien que l'amour fait partie de votre vie. Amen. Vous aspirez à... Frère, je ne sais pas comment il peut apprécier, je ne sais rien. Vous aspirez à cela vous-même. Regardez quand même vous-même le jour de la Pentecôte. C'est cela toujours ma prière devant Dieu. Le jour de la Pentecôte, on n'a supplié personne. L'amour de Dieu a descendu dans leur cœur, effectivement, parce que Christ est entré dans le cœur de la personne. Et quand il est entré, on regarde son frère, la personne qui est en face de lui, peu importe tout ce qui pouvait être, peu importe ce qui peut arriver, tu fais ce qui est juste parce qu'il y a la personne qui est en face de toi, tu as besoin de lui faire du bien. Les gens qui font partie de ce groupe-là, ils ne sont pas des égoïstes. Ils ne regardent pas leurs intérêts. Oh, que Dieu vienne en aide à chacun de nous. Frères et sœurs, Dieu s'adresse seulement à ce peuple-là. Et il est exigeant envers ce peuple-là. Parce qu'il sait que ce peuple-là, c'est comme un enfant, effectivement, qui est votre, effectivement. Vous savez que cet enfant-là, il s'est marché. Mais quand il vous voit, effectivement, il commence toujours à vouloir toujours ramper. Et puis à ce moment dit, c'est pour que vous puissiez toujours le prendre les bois. Non, 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 non. Et Joseph, maintenant c'est terminé, hein. Je t'ai vu hier là en train de pouvoir marcher comme il faut, et puis quand tu me vois, braga, braga, braga. Mais tu sais, debout. Debout. Et puis tu vois, je dis, ah, mais c'est-à-dire, oui, maintenant tu peux marcher.
bien sûr, parce que tu sais qu'il est capable. Donc Dieu sait que toi, tu es capable. Oui. Tu as la capacité. Il t'a donné la capacité. C'est pour ça qu'il te dit, mais toi, tu peux le faire. Fais-le, mais pas l'autre, mais toi. C'est pour ça qu'il est ferme avec toi. Il est exigeant avec toi. L'écriture est fermement avec toi. Vous avez dit, mais toi, tu peux le faire. Mon frère et ma soeur, c'est pas avec des ramassis. Faut que murmurer tout le temps. Non, lui, Dieu sait que toi, tu vas pas murmurer. Je sais que tu vas passer, tes preuves, ça sera difficile pour toi, mais tu sais que tu vas réussir. Tu sais que tu vas t'en sortir. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu sais cela. Alors, tu passes par cette épreuve, je sais que tu vas résister. L'autre, non. C'est pour ça, mon frère et ma soeur. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a que l'amour de la parole de Dieu et d'y rester accroché et de laisser maintenant Dieu faire son travail. Et ces groupes-là, comme nous l'avons toujours dit, ah, frères et sœurs, vous pouvez douter, mais l'élection, les choix de Dieu n'échouera jamais. Je le répète encore, n'échouera jamais. D'ailleurs, frère, halala, les qualificatifs, les adjectifs qu'on donne à ces groupes-là, frère, mais je crois que les diables sont terrorisés, les démons sont terrorisés. Frère. Non. C'est parce qu'il faut seulement que les yeux s'ouvrent quand même pour qu'on puisse. Je vous l'ai dit, nous l'avons entendu hier. On ne peut pas être. Non, et probablement, il y a des élus. Non, ils sont là. C'est pas historique, non. Pierre l'a dit, et Paul l'a dit, mais non, nous savons. Il n'a pas parlé des autres. Il a dit, mais vous, nous savons que vous, frères, vous êtes élus de Dieu. Amen. Et puis, dans 1 Jean, je crois, chapitre 2, 1 Jean, je crois, c'est 2 Jean, au chapitre 1, finalement, on dit, mais l'ancien Kyria. L'ancien Kyria. Il dit, mais oui, mais Kyria, l'élu. Amen. Alléluia. C'est écrit, vous pouvez le lire maintenant, oui, non. Donc, l'ancien, donc, Jean disait, mais Kyria, l'élu, donc, elle est l'élu. Donc, comment. Mais si la Bible dit qu'elle est élue, mais elle est élue, donc, Kyria, elle est élue. Mais, pour le lire, hein, frère, regardez très bien. Oui, c'est écrit dans la Bible, regardez bien. Oui. C'est bien écrit, frères et sœurs. Oui, c'est que c'est. Voilà. Dans 2 Jean. Introduction à la seconde épître de Jean. Donc c'est cela, oui. Donc, après 1 Jean, nous avons 2 Jean. Et alors, c'est le verset 1 qui dit. Vous y êtes? L'ancien donc à Kyria, l'élu. L'élu et à ses enfants. Donc c'était bien une personne. Amen. Et cette personne, effectivement, était une élue. Et quand on dit d'elle élue, c'est que Dieu a eu à pouvoir démontrer qu'elle est l'élu. Donc on vivait avec l'élu. Alléluia. Oui, monsieur. Amen. Donc là où nous sommes. Oui, oui, c'est vrai, frère. C'est pour ça que nous devons comprendre, frères et sœurs, que nous ne sommes pas en train de pouvoir être des historiens. On va prendre ce réjouis comme nous l'avons entendu, la semence qui est tombée sur Gabriel, ça va prendre avec joie. Et puis après, nous sommes de ceux-là qui sont la bonne terre. Amen. La parole vient, elle les reçoit, on l'entend, on le reste, effectivement, on dit, on s'y accroche, effectivement, avec persévérance. Amen. Elle prend et donne le fruit, c'est vrai. Alors on sait effectivement qui nous sommes. C'est pour ça que quand on est dans cet état, effectivement, on rentre à la maison, on ne peut pas être des gens qui murmurent toujours, qui se plaignent, oh, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Non, on sait que je suis dans le combat, mais j'ai la victoire. J'ai entendu ce que mon père me disait, il m'a rappelé qui j'étais, et je me suis regardé dans le miroir, j'ai trouvé que j'ai rempli les conditions. Alléluia. Oui, monsieur. Je ne peux pas toujours présider comme un chien, comme une chienne. Non. Je suis un fils du roi, une fille du roi. Maintenant, c'est terminé. Je me regarde et je me vois. Quand on parle de l'élu, je dois trouver mes caractéristiques. Des dents. Pas de main. Là, maintenant. Amen. 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 Frère.
frères et sœurs. Ce sont donc les violents qui s'emparent. C'est nécessaire, frère, parce que, comme nous l'entendons, très bientôt, et oui, on dit, ah, frère, mais très bientôt, ça devient très bientôt. Un jour, c'est vrai, nous fermerons nos livres. Oh, oh, quel beau jour ce sera. Quel beau jour ce sera, mon frère et ma soeur. Nous avons vécu et nous vivons que pour ces jours-là. Terminons dans Éphésiens et puis nous pouvons lire une écriture et puis je vous laisse partir. Éphésiens. Nous étions là. Voilà. C'est aussi vite. Voilà. Donc c'est un. Allez, ça. Voilà, Éphésiens. On dit. Oh. C'est pourquoi, moi aussi, verset 15, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, vous entendez? Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Vous entendez cela? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est toujours que Dieu vous bénisse. C'est toujours dans, pour ces groupes-là. Pour ce plan-là. Il dit que Dieu te bénisse. Il dit, et des révélations dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vérité de sa force. Écoutez bien maintenant, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Vous vous souvenez des Hébreux, non? Amen. Ah. Au-dessus de qui? De toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il a l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est donc son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen, 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 mon frère et ma soeur, amen, vous voyez ce que représente cette église là en question. Donc Dieu était donc en Christ. Amen. Et Christ s'est déployé où c'est? Dans son église. Amen. Mon frère et ma soeur, réalisez simplement, ouvrez simplement. On dit que toute la plénitude de divinité était où c'est? En Oh, que Dieu nous aide. Amen. Mon précieux frère. Maintenant, pensez, frère. C'est que c'est Jésus. Frère, c'est pas ce que nous n'arrivons pas à pouvoir réaliser. C'est ce qu'il nous dit ici. Réaliser la grandeur, la taille, effectivement, l'appréciation de l'appel qui se réfère effectivement à ce que Dieu nous a fait, en fait, comme honneur de faire partie effectivement de ce peuple. C'est pour ça qu'il est exigeant, il dit mais sortez du, il dit bien sortez du milieu de mon peuple. Il dit ne touchez pas à ce qui est impur. Les autres peuvent se permettre. Mais d'ailleurs, regardez très bien aussi dans cela, dans 2 Corinthiens chapitre 6, regardez très bien, dans 2 Corinthiens chapitre 6. C'est pour ça que vous devez comprendre que quand la personne marche, vous devez savoir dans quelle catégorie il se trouve. 2 Corinthiens chapitre 6, il nous dit ici, donc nous retournons. Nous avons verset 16, il dit. Alors il dit, mais quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles?
car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai donc au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront donc mon peuple. Ah. Donc tous ceux-là qui sont autour ne sont pas son peuple. Non. Mais il a seulement un seul peuple. C'est celui-là qu'il est venu donc chercher parmi les nations. Dans ce groupe-là. Mais écoutez très bien, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Continuons la lecture. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, on va dire encore, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors, que Dieu soit béni. Alors, vous comprendrez maintenant pourquoi Dieu est ainsi, parce qu'il y a une profondeur qui répond à la profondeur aux exigences que Dieu demande à ce peuple. Donc si toi, tu ne fais pas partie de cela, de ces groupes-là, c'est à ce moment-là que tu peux bien comprendre combien c'est un combat pour toi pour pouvoir t'aligner à la parole de Dieu. Si la Bible dit, ma femme, il ne faut pas porter les vêtements d'homme et soyez, habillez-vous d'une manière décente, ce n'est pas un combat pour que chaque fois qu'on doit regarder, quand même, bon, sœur, quand même, bon, je veux être décente, bon, même si on met des mains, toujours saucisson, saucisson, on comprend, parce que ce n'est pas normal. Je donne un exemple. Non, c'est important ça. C'est pour que vous compreniez l'esprit qui vous anime. Parce que quand vous avez la nature de Dieu et que vous faites partie de ce groupe-là, parce que vous pouvez être tracé, mais vous ne faites pas partie de ce groupe, vous faites partie de ce groupe-là, on ne vous oblige à rien. Vous sentez que non, en tant que reine, alléluia, parce que vous l'êtes, je fais, je mets d'abord, je sens. Parce que quand je dois... J'ai dit, mais vous vous rendez compte quand vous faites toutes ces choses-là, vous faites de ceci, ils sont devenus comme des chiennes, et vous exposez, puis vous pensez que c'est joli, mais après, on a tout vu des choses, mais même des gamins, comme vous aimez, on en a tellement de paquets, on n'en a rien à faire. C'est vrai. Mais une femme honorable, elle se sent vraiment elle-même honorée, et s'habille, et sent que non, c'est l'aisance dedans. Je vais marcher, je vais là. C'est pour honorer le Seigneur que je porte, que les gens qui sont les qui me regardent, qui disent, non, si vraiment il y a quand même des enfants de Dieu, Dieu a vraiment agi dans telle personne. Et j'aspire. Et c'est, nous avons eu à pouvoir l'entendre ici, il y a aussi la mode du Saint-Esprit. Hein. Amen, amen. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est. Vous allez chercher des couturiers du monde, hein. Mais nous, nous avons un grand couturier. Oui. Il nous montre effectivement que... Parce que c'est lui que vous allez chercher, le couturier que vous connaissez. Hein. Il va vous dire, on va serrer un peu comme ça quand les garçons vont regarder. On va comme c'est, vous savez cela. Il vous dit cela. Il ne faut pas qu'on laisse un peu, il faut qu'on serre un peu. Pour que quand tu marches là, tu te dis, est-ce que c'est bien? Et on dit, ouais, on va serrer un peu. Bon, ça va, mais pas trop, mais quand même. Hein. Mais Dieu sait ce que vous faites. Non? Oui. Et puis, vous commencez à venir, si vous faites un peu comme si vous étiez un peu humble, vous avez dit, il faut que je passe comme vous. On sait très bien. À ce moment-là, vous aimez bien un peu venir chanter un tout petit peu pour qu'on puisse voir. On sait très bien. Vous ne vous rendez pas compte que vous vous souillez vous-même. Vous vous ridiculisez vous-même. Vous pensez que les gens sont des aveugles. Il faut vraiment quand même être quand même spirituel. On sent qu'effectivement que là, il y a un problème. Quand il y a l'obéissance, on veille sur ce qu'on prend. On sent que je ne le fais pas pour les hommes. Vous l'avez entendu ici. Vos visages ne sont pas à vendre. Mais ils veulent vendre les visages. Regardez comment je suis réglé. On n'a pas besoin. Vous savez, sur le marché aujourd'hui, si vous commencez à vendre ça comme ça, il y en a tellement beaucoup. Hein. Bon, on rabat même les prix maintenant, je pense.
Oui, bien sûr, c'est ce qui se passe. Mais regardez très bien. Oui, bien sûr, dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui se passent et vous n'arrivez pas à pouvoir bien comprendre. C'est pour que nos frères et nos sœurs puissent savoir que nous sommes un peuple différent. Et puis bon, évidemment, si vous voulez vous soutenir, vous voulez aller ailleurs. Hein. Les autres aiment bien vous voir comme là, ceux qui disent, non, il faut quand même être un peu plus court. Hein. Bon, ils aiment bien ça. Vous pouvez aller là-bas. Ça, c'est l'Église qui accepte cela. Mais l'Église de Dieu, ici, c'est exigeant. Amen. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas murmurer. Parce que quand vous n'êtes pas conforme à cela, la parole qui sort, il va vous condamner. Et si vous êtes toujours là, vous allez avoir des crises cardiaques. Hein? Parce que chaque fois, elle va frapper dessus. Même si vous êtes assis en dessous des chaises, que personne ne vous a vu, on sait, vous êtes là, et tu es là, si, ben, le marteau vient quand même. Il y en a de ceux qui pensent, par exemple, quand vous êtes prêché, il y en a même qui peuvent faire de nouveau. On ne sait même pas s'il y avait de nouveau. Mais et quand ils sont assis, et puis bon, la parole est prêchée, effectivement, on pense qu'on le vise. En fait, on ne le vise pas. C'est l'esprit qui continue à pouvoir parler comme ça en général. Mais je crois que parfois, c'est important. Frère Jonas, tu avais ton témoignage, non? Tu as rendu ton témoignage. C'est ça le problème. Ben, il va rendre son témoignage. Parce que c'est que parfois, quand on écoute la parole de Dieu, on entend des exemples qu'on donne effectivement ici. On se dit, mais pourquoi il donne ces exemples, effectivement? Et puis bon, ben nous, nous sommes là-bas. Alors qu'effectivement, qu'il y a quelqu'un quelque part si loin... auquel ce qui vient d'être dit là, qui vous semble que ça n'a pas d'importance, lui, ça a changé sa vie. C'est la vraie. C'est la vraie. C'est pas qu'on vise quelqu'un, mais c'est parce que la parole de Dieu vous cherche, vous. Amen. Il sait que, le Seigneur sait que toi, tu es sa fille. Mais tu n'as pas la connaissance, le diable veut t'aveugler, il veut maintenant te montrer que tu ne peux pas être comme ça. Tu es ma fille, tu es mon fils, tu dois te marier, tu dois habiller comme il faut. Donc c'est important cela. Donc ça c'est, comme l'Écriture le dit, la profondeur donc qui appelle donc la profondeur. Alors, je termine par cela, je dis, voyez-vous, le Seigneur élève tellement ces groupes. C'est un groupe dans lequel vous devez vous retrouver en fait. Parce que les adjectifs et l'honneur et la gloire qui est attribué à ces groupes-là, frères et sœurs, c'est quand même... Quand on regarde même dans les Saintes Écritures, regardez vraiment. Vous remarquerez très bien que dans le livre... Je termine par là, parce que comme ça, vous avez peut-être pensé. Vous remarquerez très bien que dans le livre d'Apocalypse, chaque fois que nous lisons l'âge, le combat qu'il y a, ainsi de suite, effectivement, et à la fin, on entend toujours à celui qui vaincra. C'est-à-dire que ces groupes-là, alléluia. Tu es là-dedans. Oui. Les péchés n'aura pas de pouvoir sur toi. Amen. Tout ce que le monde peut avoir, frère, même tout ce que le monde peut pouvoir programmer. Je vous dis, dans ces groupes-là, vous êtes protégés. Amen. Donc, vous aurez toujours la victoire. C'est pour ça que chaque âge a celui qui est vainqueur. Donc, le vainqueur, c'est toujours dans ces groupes. Amen. Et quand on regarde même, frère et sœur, on va même un peu plus loin regarder cela. Dans le livre d'Apocalypse, toujours, il nous dit, ceci dit, il dit, heureux et saint. Amen. Amen. Ceux qui ont part à la première résurrection. Et puis on dit encore que car la seconde mort, vous avez lu cela, non? Amen. N'aura point de pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce groupe-là, ceux qui sont dans ce groupe-là, ils ne pourront jamais passer au jugement. Amen. Donc, ni la mort, ni les jugements, Amen. Ni même quoi que ce soit. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Amen. Ah, serait-ce la tribulation, la mort ou l'angoisse? Vous comprenez cela? Personne. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, mettre la parole de Dieu en pratique n'a jamais été une obligation. Chacun étant libre. Mais si on est de Dieu et qu'on est dans ce groupe-là, Dieu est exigeant.
Il veillera sur tes pantalons. Il veillera sur... C'est vrai, mon frère. Parce que ta garde-robe, Dieu y veille. C'est pour ça que vous ne pouvez pas acheter n'importe quoi. Les autres peuvent se permettre. Mais toi, quand tu vas faire des achats, il y a quelqu'un qui te surveille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lève-nous. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons vraiment te dire merci encore pour la grâce que tu nous as accordée en ce jour, de pouvoir nous tenir encore dans ta maison, de pouvoir entendre ta parole, Père, et d'être tenu par ta main puissante, mon Sauveur. Oh, Jésus, tu nous aimes. Jésus, tu nous soutiens. Jésus, tu nous fortifies. Et nous avons besoin de pouvoir continuer à être éclairés par toi et soutenus par ta main, Seigneur. Merci d'être avec nous. Merci de nous conduire. Merci de nous soutenir. Merci encore, Père Dieu, pour ce peuple qui est à toi. Et au fur et à mesure que le temps passe, nous ne même pas, nous apprenons à pouvoir te servir. Et tu as dit, sainteté à l'Éternel. Et nous voulons vraiment que notre vie puisse être comme toi, tu le veux, Seigneur. Ta parole est une nourriture pour nous, bien-aimés, Père Saint-Dieu. Comme tu as dit, la révélation de ta parole, elle est claire et donne par ta mission, Dieu, l'intelligence encore davantage, mon Père. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons vraiment vivre pour toi. Sois béni, et sois glorifié et sois exalté encore en ce temps. Et nous avons besoin de pouvoir vraiment te voir agir encore et besoin de pouvoir te voir à l'œuvre, Père. Bénis nos frères et sœurs qui sont venus pour la première fois. Et à pouvoir prendre part aussi à la réunion, Père Saint-Dieu, malgré les temps, la distance, malgré aussi la durée, Père Dieu. Je te prie de pouvoir le bénir. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse. Mon grand, tu peux...